C'est gratuit. Autre coup de cœur, c'est à Paris, dans le 6e arrondissement. On se rend à la galerie Dutco qui nous propose un artiste de redécouvrir, un artiste qu'on avait un peu oublié. C'est Jean-Michel Coulon. Jean-Michel Coulon, c'est une véritable star dans les années 50. Il expose aux côtés de Nicolas de Staël, Serge Poliakov, Picasso même, de Paris à New York. C'est une étoile qui, contre toute attente, et bien d'un coup, va se couper du monde. Alors Coulon passe des milliers d'heures en secret à créer dans son atelier, sans autoriser personne à entrer dans cet antre de la création. 60 ans plus tard, hein, c'est très long, à sa mort, sa fille découvre un trésor absolument inestimable, puisque c'est l'œuvre d'une vie, une œuvre aboutie, inédite, intacte. Plus de 800 peintures, rendez-vous compte, c'est énorme, des collages aussi, qu'il a secrètement accumulées dans la plus grande discrétion. Voilà, alors la galerie Dutco lève le voile sur cette merveille artistique, pas 800 d'œuvres, mais une quarantaine ici, des huiles sur toile, des collages qui vont des années 40 aux années 2000. Donc on a vraiment plus d'un demi-siècle de création qui se révèle ici. Et on va découvrir un artiste qui est effectivement, qui a vraiment une force d'abstraction exceptionnelle. On va découvrir ses collages aussi, son écriture tout en épaisseur, une écriture assez géométrique, travaillée au couteau, à la brosse, sur papier, sur bois, hein, rien ne l'arrête, cet artiste. Et puis vous allez voir, c'est vrai que il y a une véritable poésie qui émerge de ses œuvres, une pudeur aussi, voilà, tout ça on le savoure avec délice. Et puis j'ai encore, je vous vois qu'attendez, un bon plan gratuit. Écoutez, allez.